bienvenue sur Europe 1. Nous voici ensemble pour deux heures de direct au 39-21. Dans cette libre antenne, vous le savez, on échange, on parle de nos vies, de nos difficultés, mais aussi de ce qui nous rend heureux. Et dans ce partage de notre condition humaine, j'ai glané pour vous une phrase du philosophe Kant que je trouve assez réconfortante. Alors Kant nous dit « L'homme veut la concorde ». Mais la nature sait mieux que lui ce qui est bon pour son espèce. Elle veut la discorde. Et oui, pour ce philosophe allemand du XVIIIe siècle, si nous vivions en parfaite harmonie, nous ne serions plutôt que des plantes, tandis que les désaccords permettent de progresser vers plus d'humanité. Voilà pourquoi nos petits bobos, nos altercations ont une vertu, celle de nous apprendre à coopérer, de nous faire sortir de notre inertie naturelle, à nous pousser à aller de l'avant. Alors, inutile de regretter un hypothétique âge d'or dans lequel les hommes seraient tous aimants et heureux. Tous nos petits travers ou gros travers, on va dire la cupidité, l'instinct de domination, la jalousie, sont en réalité la clé de notre humanité, car elles nous obligent à développer notre intelligence et à terme notre moralité. Grâce à la discorde, nous pouvons en effet espérer que l'homme apprendra à cultiver son ouverture, lui permettant de mieux vivre avec ses semblables. C'est donc une excellente nouvelle qui nous permet de discuter, comme nous le faisons ici à l'antenne d'Europe 1, de nos bleus à l'âme, qui s'avère être aussi le fondement de ce que nous avons de meilleur. Alors Assiba et Quentin sont au standard ce soir, au 39-21, pour accueillir vos appels. Et Philippe Chartier réalise avec toujours le même bonheur cette belle émission. C'est lui qui me l'a dit hier soir. N'oubliez pas que si un sujet vous touche, vous pouvez à tout moment réagir et demander à dialoguer en direct avec un auditeur en appelant le 39-21. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 739-21 en commençant votre texto par le mot nuit ou envoyer un mail sur le site europe1.fr et là vous allez dans l'émission, l'onglet Libre Antenne et vous nous trouvez. 39-21, j'attends vos appels. Europe 1, Sophie Peters. Et nous accueillons Ludivine. Bonsoir Ludivine. Bonsoir. Oui, alors Ludivine, oui. C'est toujours intimidant de passer la première. Oui, c'est ça, oui. Donc en fait, je vous appelle parce que j'ai un problème de phobie sociale qui traîne depuis plusieurs années. J'ai déjà consulté plusieurs professionnels de la psyché et j'arrive pas à vraiment avancer. Donc j'aurais voulu voir avec vous vers qui, quelles sont les solutions qui sont les plus adaptées, les professionnels qui peuvent éventuellement plus m'aider que ceux que j'ai déjà vus précédemment. Oui, parce que c'est quand vous employez le terme phobie sociale, qui est d'ailleurs inscrit dans la nomenclature des psychopathologies en psychiatrie, c'est quelque chose qui a été diagnostiqué chez vous. C'est ce que vous ressentez, vous l'avez appelé comme ça. Enfin, vous voyez, ça se traduit comment? Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est de la timidité, du trac ou vraiment de la phobie sociale? Ça se traduit en fait par un mal-être en fait avec les autres. Quand je suis par exemple dans un milieu professionnel, je me sens pas bien avec les autres en fait. J'ai du mal à communiquer, je bégaye, je sais plus ce que je dois dire. Enfin, c'est j'ai jamais rien à dire. Tout le monde a quelque chose à raconter sauf moi, donc j'ai l'impression d'être de pas trouver ma place dans un groupe en fait. Et voilà. Mais par contre, quand vous dans votre vie quotidienne, quand vous allez faire une course, quand vous si vous allez chez le coiffeur, quand vous marchez dans la rue, vous avez ce sentiment-là également? Non, en fait, c'est quand il y a des relations, comment dire, dans les relations, pour sortir dans la rue, c'est pas un problème de comment dire. Ah oui, vous voyez, non parce que la phobie sociale c'est quand même très particulier en termes, si on reprend la pathologie les gens atteints de phobie sociale, ils peuvent absolument pas fonctionner si vous voulez dans un environnement social Donc c'est pour ça que je D'accord. vous posais cette question là. Là vous dites c'est très précis, c'est particulièrement au travail. Oui, au travail ou dans les relations amicales ou dans quand les relations sont assez proches en fait, quand il y a une étroitesse entre les interpersonnels. Dès que ça vous expose en fait finalement, dès que vous êtes amené à vous exposer, à vous dévoiler. C'est ça. Voilà, donc plus que de la phobie sociale, c'est plus un problème, je dirais, d'estime de soi, de confiance en soi. C'est-à-dire montrer qui on est et j'ai peur de décevoir, de pas être à la hauteur, je sais pas faire, qu'est-ce qu'on va penser de moi. C'est toutes ces questions-là qui émergent. Oui.
Et pourtant, vous dites bon, que vous avez fait plusieurs fois des travail en psychothérapie et vous n'êtes pas allé vers ça avec votre thérapeute ou... Mais en fait, on n'a pas... Enfin, il n'y a pas eu vraiment de solution d'aborder. Chaque fois que je consultais, en fait, on me faisait parler de mon quotidien, etc. Parce qu'en fait, j'étais en recherche d'emploi en même temps. Donc, la thérapie était plus tournée vers en fait, un suivi de recherche d'emploi, etc., plutôt que vers la résolution, en fait, du problème, Moi et les autres, en fait. Oui, je comprends. Et puis, de toute façon, quand on est en recherche d'emploi, on est toujours très fragilisé hein, dans le regard des autres, puisque c'est très angoissant. On est là pour faire ses preuves et ça nous remet en cause. On est remis en cause à chaque entretien, hein, à chaque rencontre. Donc, c'est vrai que c'est un moment de stress. Et là, donc, vous avez trouvé un emploi. Vous êtes dans une autre configuration aujourd'hui. Non, en fait, j'ai exercé plusieurs emplois entre-temps. Donc, j'ai eu mon diplôme, en fait, en 2006. Et puis, depuis, enfin, j'ai toujours pas trouvé de CDI. Donc, j'ai fait des missions d'intérim, des CDD, etc. Et en fait, c'est ce problème qui me bloque, en fait, parce que j'ai eu des mauvaises expériences en stage qui font que ça me bloque complètement, quoi. Mais même avant, quand j'étais au collège ou au lycée, j'avais du mal à communiquer avec les autres. Et quand vous dites mauvaises expériences, vous pouvez juste m'en citer une pour qu'on comprenne bien? Oui, mais en fait, j'ai préparé un diplôme dans les ressources humaines. Ouais, bah, ouais. Et donc, lors de mon stage, mon master, en fait, je suis tombée sur un maître de stage, en fait, qui avait pas du tout le même caractère que moi. C'est-à-dire que lui, c'était quelqu'un de fêtard, quelqu'un de, qui communiquait beaucoup, etc. Enfin, qui voyageait. Et en fait, il m'a fait comprendre que, comment dire. Il a cessé de dénigrer. De vous juger, finalement. En fait. De vous juger. C'est ça. Bah oui, mais de quel droit? Vous voyez? En fait, oui. Mais c'est ça, en fait. C'est qu'on arrive à me culpabiliser sur des choses sur lesquelles on ne devrait pas. Et c'est ça qui me. Que j'ai du mal à comprendre chez moi, en fait. Comment. C'est vraiment des réflexions, mais. Au sein de son entreprise pour faire un stage. Excusez-moi. Et en fait, lui, il se permettait de me dire. T'as pas l'esprit ouvert, par exemple, est-ce que t'as jamais voyagé, des choses. Oui, ce qui était valable pour lui devait être valable pour vous, quoi, autrement dit. Mais... C'est ça, comme lui, c'était quelqu'un d'extraverti, moi j'aurais dû être pareil, il comprenait absolument pas que moi je puisse avoir un caractère autre, donc en fait, il me reprochait à chaque fois ça, quoi. Il me disait, d'un air de dire, t'es prétentieuse, tu parles à personne, en fait, il me faisait comprendre que je le faisais exprès. Oui, mais vous voyez ça, et vous le décrivez très bien, et je vous trouve assez fine dans votre analyse, et que vous avez compris que le problème n'était plus chez lui que chez vous, là, en l'occurrence. Vous voyez ? Ben, le problème, c'est que 5 ans après, ça m'atteint toujours. C'est-à-dire que c'est ça le problème, c'est que c'est... Mais est-ce que vous arrivez à faire la part des expériences douloureuses comme celle-là, parce que c'en est une, et des expériences plus positives où vous avez rencontré l'écoute ou la bienveillance d'une personne avec laquelle vous collaboriez, ou d'amis ou d'autres? Vous en avez ça, des bonnes expériences? Des bonnes expériences, en fait, j'en ai rencontré quand j'étais sous la coupe d'un aîné, en fait, de quelqu'un qui allait soit partir à la retraite, soit quelqu'un de foncièrement bienveillant parce qu'il n'avait plus rien à prouver. Et voilà, parce qu'il n'avait plus rien à prouver. Mais c'est vrai que ça reste avec les gens de mon âge, ou de ma tranche d'âge, j'ai 28 ans, donc bon. Ça reste difficile, quoi, parce que les gens comprennent pas pourquoi je communique pas. Alors, c'est des réflexions t'as pas d'amis, ou des choses comme ça, quoi. C'est vraiment. Non, mais ce que j'entends, la Ludivine, c'est que peut-être que. En fait. Oui, mais peut-être que du coup, parce que vous avez eu des expériences blessantes, puis peut-être d'autres aussi dans votre prime jeunesse, vous avez tendance à généraliser, voyez, et du coup, à rentrer dans votre coquille pour vous protéger, ce qui est tout à fait normal, hein, et très humain.
même, hein, on va dire. Hein, quand on prend des coups, voilà, caille-caille, hein, on va, voilà, on se protège. Donc, vous vous êtes mis un système de protection qui est effectivement votre silence, d'être un peu en retrait, parce que vous dites, attention, j'ai compris que quand je m'exposais, je prenais des coups. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, il faudrait réintroduire petit à petit des petites bribes d'exposition pour vous prouver que vous n'avez pas forcément raison de croire ce que vous croyez. Vous voyez, c'est-à-dire que on est tous faits de croyances qui nous viennent d'expériences. Depuis l'enfance, depuis le petit enfant, il fait ses expériences, puis à chaque fois, il en déduit une croyance sur la vie, sur les autres. Puis là, vous arrivez à un faisceau de votre âge, hein, vous avez 28 ans, c'est ça ? C'est ça. Et du coup, comme vous avez accumulé, maintenant vous avez un comportement qui va chercher à valider votre croyance. Vous avez décidé, vous voyez, vous dites, bah avec les plus âgés, ça marche bien, ils sont bienveillants, ils m'écoutent, mais ma génération ou juste un peu au-dessus de moi, c'est pas possible, on me juge, etc. Donc vous avez fait de vos expériences une généralité et maintenant vous allez, dans votre comportement, chercher à conforter toujours cette croyance-là. Parce que, bah, ça y est, vous avez décidé un truc, c'est toujours très désagréable quand la vie vient vous tirer par la manche et vous dit « t'es sûr de penser ce que tu penses ». Or, en fait, c'est ça l'expérience vers laquelle vous devez aller. C'est vous prouver, parce que la vie peut vous le prouver, que c'est pas tout à fait vrai. Et qu'en vous ouvrant un tout petit peu, mais soyez prudente, hein, c'est à vous de discerner les gens avec lesquels vous pouvez le faire. Parce que vous allez le sentir, hein, quand vous me décrivez votre ancien patron, là, on sent tout de suite qu'avec lui, c'était pas possible. Mais vous allez voir petit à petit, hein, c'est des petits pas. Bah là, je peux m'exposer un petit peu, et puis encore un petit peu plus. Et puis vous allez tester, et là, votre croyance peut basculer. Et vous allez regagner de la confiance comme ça. Parce que là, vous vous êtes enfermé dans, j'ai envie de dire tous des cons, vous voyez ce que je veux dire en riant. Oh, ça se dit pas, pardon Fifi, j'ai dit un gros mot. Mais vous voyez, c'est un peu l'idée de se mettre une carapace. Mais en fait, du coup, c'est vous qui souffrez au final. Donc, c'est pas un bon moyen. Or, on est des milliers, des milliards plutôt sur Terre et des gens formidables, il y en a à tous les âges et des crétins aussi, bien sûr. Hein. Mais il n'y a pas de raison que vous ne rencontriez pas des gens qui valorisent. Vous vous rendez compte, vous me dites que vous avez un master en ressources humaines, c'est un super niveau d'études. Donc vous êtes voilà, d'une fille brillante, intelligente, capable, il n'y a pas de souci. C'est ça qui m'inquiète, oui. c'est qu'on me dit avec les gens qui me... qui me suivent auprès des structures d'insertion, quand je parle avec eux, ben j'ai l'air en confiance avec, enfin je suis en confiance avec eux, donc quand je parle, il y a pas de problème de communication, mais en entreprise en fait je me sens en danger et ça fait que je n'arrive plus à faire confiance en fait. À cause peut-être de cette expérience que vous citez comme traumatique, vous pensez qu'il y a eu un traumatisme là qui s'est un peu ancré sur cette mauvaise expérience ou il y en a eu d'autres? Je pense que oui. Enfin, à la suite de ça, j'ai déclenché une fibromyalgie. Je sais pas ce que c'est, pardonnez-moi. Fibromyalgie, en fait, c'est des douleurs musculaires généralisées, en fait, et une très grande fatigue. Enfin, c'est... Ah oui. Donc le corps somatise, en fait, hein, il n'en peut plus. C'est ça. Ouais. C'est que pendant un an et demi, en fait, j'ai souffert le martyr à cause de ça. Enfin, j'ai réussi à résoudre le problème par le biais de médecine parallèle, mais je vois pas l'entreprise, mais les relations interpersonnelles comme un danger en fait, où manger toute crue quoi, où chaque fois que je vais dire un mot en fait, il va être déformé puis travesti pour un autre, ou c'est de la mauvaise foi, ou il y a des mensonges, c'est Ah bah c'est sûr que c'est un univers creux. On dit, ça disait l'enfer c'est les autres, mais dans l'entreprise c'est encore plus vrai et on sait comment la souffrance au travail est un vrai sujet de notre époque. Donc mais en même temps vous avez fait un choix intéressant, vous avez fait le choix des ressources humaines, hein, donc ça veut pas rien dire ce choix là, hein. C'est bien qu'il y a là quelque chose que vous avez envie de résoudre pour vous-même et pour les autres. Donc vous avez un chemin. Alors que votre corps, réagisse et le corps et le psychisme sont intimement liés, mais il y a vous réapprivoiser, parce que là, vous êtes prise dans vos croyances, on va dire, limitantes, qui en plus de surcroît limitent votre compétence liée à votre diplôme.
Oui, ça va loin parce que... Oui, ça va très loin, ça fait beaucoup de dégâts, oui. Non, mais attendez, on est tous là pour apprendre, hein. On a tous des chemins de vie, ne vous jugez pas, hein, mal. Au contraire, si cette épreuve, on va dire entre guillemets, vous arrive aujourd'hui, c'est bien qu'il y a quelque chose d'intéressant pour vous là. Qu'au contraire, c'est plutôt un bon signe. Parce que vous voyez, ça fait un peu comme un système de poupées russes entre les ressources humaines, la vie de l'entreprise, le ressenti que vous en avez. C'est la vraie actualité aujourd'hui du monde de l'entreprise. Donc vous avez un faisceau qui résonne avec vous dans votre choix. Alors soit vous reconsidérez votre choix en vous demandant si vous avez fait le bon. C'est encore possible. C'est ça, en fait, c'est que je suis en plein doute là. Enfin, en ce moment, je me dis, mais il faut que je crée ma propre entreprise, au moins comme ça, j'aurai pas d'histoire de interpersonnelle. Ah, vous enfin, en aurez parce qu'un jour vous aurez des salariés et vous aurez des clients. Donc l'interpersonnel, il sera là. Ça peut être une autre. Vous pouvez être entrepreneuse et tant mieux. Et en France, on a beaucoup d'esprit d'entreprise, mais c'est pas ça enlèvera pas les relations avec les autres. Au contraire, il vous faudra des clients. Mais voilà, vous serez effectivement moins jugé par un supérieur hiérarchique puisque c'est vous qui aurez les manettes. Mais encore une fois, ce qui est intéressant là, c'est de travailler sur qu'est-ce que ça interroge chez vous de travailler vos croyances et de vous réintroduire petit à petit des niveaux d'expérience sans trop de danger. Même dans votre quotidien, dans des cercles d'amis, faites des petits pas de souris, mais des expériences pour essayer de voir si là vous avez raison, si vous pouvez ouvrir un peu plus la porte à la relation, si vous prenez pas de coups. Et puis, essayez voilà, de travailler un peu votre estime de vous-même parce que vous voyez, je reçois un texto qui vous concerne et qui dit voilà, que vous semblez très ouverte, que vous exprimez très bien et que vous ne devriez pas culpabiliser et utiliser l'assurance que vous avez ou que vous paraissez avoir. Mais c'est vrai que vous avez beaucoup d'atouts et que vous vous limitez. Alors pourquoi ? Pourquoi il faudrait arriver à savoir pourquoi vous avez décidé de vous limiter ainsi? Pourquoi vous vous mettez en échec, vous voyez, vous-même, dans la relation à l'autre, dans votre travail, dans votre choix de filière? Puisque de votre choix de filière, vous déduisez que le monde de l'entreprise, les RH, c'est un monde trop cruel. Et pourtant, c'est bien ce que vous avez choisi. Donc, vous voyez, vous êtes en pleine interrogation, mais c'est encore une fois, le doute, hein, c'est ce qui nous fait avancer. Oui. Ne regrettez pas d'être en doute, c'est formidable. Bravo. Je regrette pas d'être en doute. En fait, j'ai simplement la sensation que depuis 5 ans, en fait, ma vie s'est arrêtée et que j'arrive pas à sortir de cette situation. En fait, je sais pas comment m'en sortir. En fait, j'ai l'impression que depuis 5 ans, là, ma vie est arrêtée et que quelques personnes que je puisse consulter, en fait, ça résout pas le problème. Alors que quand je suis avec les structures d'emploi, etc., on me dit mais vous parlez bien, vous vous exprimez bien, etc. Il y a pas de vous avez pas, c'est pas vous le problème, quoi. Mais Oui, parce que dès que vous êtes exposé dans le sens où vous avez plus à séduire dans un entretien, mais à faire, enfin à prouver votre compétence, vous êtes dans un autre niveau de relation, vous voyez. Donc vous êtes plus à vif, hein, vous êtes plus à nu là, pour le coup. On n'est plus dans la couche séduction, on est dans la couche compétence. Alors je reçois un mail de Grégory vous concernant et je remercie Grégory de nous envoyer parce que c'est exactement ce que j'allais vous conseiller. Grégory vous dit que vous conseille de participer à des ateliers d'affirmation de soi, hein, vous savez, les thérapies cognitivo-comportementalistes, les TCC, où on apprend à reconnaître ses valeurs, à les faire respecter, à exprimer ses ressentis et à réfléchir sur ce qui nous bloque, nous dit Grégory. Ce travail m'a beaucoup apporté. Oui, moi, c'est exactement ce que je vous dirais, c'est d'aller effectivement faire des stages en thérapie comportementale. Il y en a plein, il y en a dans votre région, soit en PNL, en analyse transactionnelle, enfin, il y a plein de courants qui en font et qui peuvent énormément vous aider parce que c'est un réglage là pour le coup qui vous manque. Vous voyez, justement, je reçois un autre texto vous concernant votre confiance actuellement à marée basse. Pourtant, votre façon de vous exprimer prouve que le courant passe et que vous allez de l'avant. Là, c'est un réglage.
On est dans le niveau du réglage. Vous êtes pas. Vous voyez, vous avez démarré votre appel en parlant de phobie sociale. Vous n'êtes pas dans un cas de phobie sociale. C'est pas ça la phobie sociale. Vous voyez. Là, d'accord. Vous êtes dans un problème d'estime de vous-même. C'est pas du tout la même chose. Et ça, l'estime de soi, ça se travaille par très très bien en thérapie comportementale. Parce que les compétences, vous les avez, parce que vous êtes une fille intelligente et brillante, parce que. Et là, il y a une histoire de réglage. D'accord. Hein? Donc, aller vers ça, Ludivine, pas un travail trop. Forcément très très profond sur vous, mais plutôt de relation à l'autre, d'ateliers, de. Et vous serez avec d'autres, et ça va beaucoup vous aider. Puis surtout, vous allez rencontrer aussi des gens comme vous, et vous allez là y trouver la bienveillance que vous cherchez, qui va vous autoriser. C'est ça que vont permettre ces ateliers, c'est que vous êtes en groupe, et que dans ce groupe circule un grand niveau de bienveillance qui est validé par le thérapeute, hein, qui mène les groupes, et qui vous autorise des comportements que vous ne vous autoriseriez pas dans d'autres circonstances, et notamment, bien sûr, professionnelles. Donc, petit à petit, vous vous apprivoisez. Et ça pourrait vous faire un bien fou. D'accord. D'accord, Ludivine ? Bon. Mmh. Eh bien, bon courage et bonne soirée à vous, et merci de nous avoir appelés. Merci à vous, ainsi que votre équipe. Merci à vous. Bonsoir, Ludivine. Bonsoir. Sophie Peters sur Europe 1. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Et nous accueillons Sandrine. Vous vouliez réagir au propos de Ludivine qu'on a eu à l'instant. Oui, bonsoir Sandrine. Oui, moi j'aurais voulu lui dire que. Simplement que quand j'étais jeune, j'étais dans le même cas qu'elle. Oui. C'est-à-dire que je n'osais pas parler, je laissais toujours les autres faire à ma place. C'était une forme de timidité. Et puis, en plus, une forme de contemplation aussi. C'est-à-dire oui, que ça c'est intéressant, je trouve. Expliquez-nous. Je regardais beaucoup les gens. Et je crois que après coup, hein, quand j'ai entendu cette personne en parler, ça m'a retourné un petit peu. Et puis je me suis dit, maintenant que j'ai fait ma route, que je peux m'exprimer, eh ben, je me suis dit que c'était une manière de me mettre en dessous des autres, voyez. De vous mettre au-dessus des autres, hein. Oui. De parler plus ou moins. Attendez, je vous entends mal. De les laisser parler eux. Plutôt que moi. Exactement. C'est une forme de sensibilité, quoi, qu'on a, je ne sais pas comment, mais une fois qu'on a réussi à parler, à faire le premier pas pour parler, eh bien, je crois que là, on a beaucoup de choses à dire. Et cette dame, elle me paraît très, très, très intéressante, quoi. Alors. Je me dis que si elle arrive à parler là, pourquoi elle n'arriverait pas autrement? Oui, c'était bien le sens de la réaction des autres auditeurs également. Mais visiblement, et vous avez touché du doigt quelque chose d'intéressant sur l'aspect de la contemplation, c'est qu'elle n'a pas passé encore à l'action. Elle est passive, oui, en fait. C'est ça. Et pour passer à l'action, justement, il faut se dire qu'on est quelqu'un. Et trouver en quoi on est quelqu'un. Oui. C'est-à-dire, ça peut être la peinture, comme moi. Oui, alors j'allais vous demander. Voilà. Oui. Je me suis découverte, hein. J'avais jamais peint auparavant. Et tout d'un coup, je me suis mise à peindre et ça a été une révolution, quoi. Un truc qu'on prend, comment dire, c'est quelque chose qui nous rend fort, quoi. Parce qu'on a réussi. Et parce qu'on est dans l'expression de soi, finalement. Pardon ? Et on est dans l'expression de soi, hein, comme dans l'écriture, là, dans les arts. Hein. On est vraiment exposé au maximum. Vous avez quel âge, Sandrine ? J'ai 41 ans. 41 ans, ouais. Oui. Et c'est la peinture qui vous a libéré, enfin, vous avez senti que c'était ça, votre trajet, qui vous a révélé à vous-même ? Oui. Oh, puis, je dirais que j'ai suivi un parcours un petit peu périlleux, hein. Parce que, je vais vous dire, la peinture est un palliatif pour y arriver. Maintenant, je suis sûre que c'est ma voie. Mais je suis passée par des périodes, j'ose pas trop vous le dire,
Bah, je vais vous le dire quand même. Mais oui, vous pouvez oser. Ici, oui, on peut tout oser, c'est la nuit. Parce que j'ai des problèmes étant jeune, et ça s'est répercuté dans ma tête, quoi. Et ces problèmes ont fait que je cherchais la liberté. La liberté, j'ai trouvé avec le chichon. Oui. Et j'ai fumé. Oui. Et puis, j'ai commencé à parler. Je me suis dit, mince, j'arrive à parler avec le chichon. C'est incroyable. Ça a désinhibé, oui. J'ai fait un travail sur moi. Je me suis dit, Sandrine, puisque tu y arrives avec le chichon, tu dois y arriver sans. Oui. Et là, j'ai commencé à ralentir. Bon, je revenais toujours un peu dessus parce que, quand même, c'est une drogue, même si elle n'est pas dure, c'est une drogue qui est... euphorisante. Alors, j'ai fait un travail sans chichon. Et puis, un jour, j'ai tout déballé mes problèmes, quoi. Et tout a changé. Même ma peinture avait changé. Je ne me comprenais plus. Ah, et oui. Puis, j'ai arrêté le chichon parce que tout le monde l'a su. Alors, oui, ça faisait un peu... J'étais obligée d'arrêter, quoi, ouais. mes bêtises, quoi. Et maintenant, je ne fume plus. Je suis heureuse, je parle aux gens, j'ai pas de travail, vous voyez. Et vous vivez de votre peinture, Sandrine ? Comment ? Vous vivez de votre peinture, c'est votre métier ? Non, j'ai jamais essayé d'exposer. Ah oui. Mais j'y pense, parce que là... Donc vous avez un métier à côté ? Vous avez un métier à côté ? Non, pas du tout, non. Non, disons que je suis allée à l'hôpital psychiatrique et j'ai une AH. Adulte handicapé. D'accord. Vous voyez ? Mmh. Alors, je me satisfais de ça, mais je peux plus payer mon loyer bientôt. Alors, je vais devoir vendre, m'en séparer. Mais c'est ça, c'est un sacrilège de s'en séparer. Vous savez, c'est un peu nos enfants qu'on peint, c'est un peu une partie de soi qui est posée sur la toile, quoi. Alors, ils ont tous des significations différentes. Il faut peut-être exposer, Sandrine. Il faut peut-être exposer. Que vous avez fait le pas de vous exposer vous-même sur la toile, vous pourriez franchir le pas suivant qui serait d'exposer vos œuvres maintenant. C'est le pas qui vous attend maintenant, non ? Oui, il faudrait. Il faudrait en plus de place chez moi, quoi. Ben oui, il faudrait. Et puis maintenant, voilà, vous avez fait tout le trajet, hein, depuis Ludivine, là. Vous avez appelé par rapport à Ludivine. Vous montrez que vous avez réussi à vous trouver, hein, par la peinture. Oui. Et maintenant, il faut que les gens le voient, que vous vous êtes trouvé. Il faut leur montrer. Oui. Ben, vous savez, les gens de la psychiatrie viennent me voir tous les deux jours. Ils me disent, mais ils se posent, Sandrine, vas-y, fonce. Mais oui. Bah moi, pour l'instant, j'ai pas du temps. J'ai fait un travail assez personnel. Bon, bah, je suis pas sortie, hein. Je suis pas sortie de chez moi parce que ça fait des années que je suis pas sortie de chez moi. Mais par contre, pour parler avec les autres, j'ai pas de problème, quoi. Je vais faire des tours au CMP. La dernière fois, j'y suis allée. Ils m'ont dit, Sandrine, viens, t'as des idées, viens. Mais moi, je peux pas me permettre de faire. De venir quand ils veulent, quoi. Ouais. Il faut que vous y songiez quand même à exposer. Il y a un très très joli livre que il faudrait que vous lisiez. Malheureusement, vous voyez, c'est moi qui perds par moment la mémoire. L'auteur est archi connu, je le trouve plus. Mais c'est pas grave, vous avez trouvé. Je vous donnais le titre sur internet parce que l'auteur est un vieux monsieur maintenant, tout à fait merveilleux, psychanalyste et écrivain, et il a écrit L'enfant bleu, et qui est l'histoire d'un enfant. Justement, un hôpital psychiatrique qui va se révéler par la peinture et exposer et s'ouvrir au monde. Et vraiment, Sandrine, il faut que vous lisiez cet ouvrage merveilleux. Je suis idiote de ne pas retrouver là à l'instant. Oui, mais vous faites sur Internet, Google, L'enfant bleu. Et puis si Fifi va nous le trouver là, parce que j'ai pas Google sous les yeux, mais je vous le dis en cours d'émission, je vais vous le retrouver. Oui. Et tous les ouvrages de cet homme sont absolument merveilleux et délicieux. Et cet homme est à la fois thérapeute et écrivain. Et il a écrit de magnifiques ouvrages. Et celui-là m'avait beaucoup marqué. Et je pense qu'il vous serait d'un grand
en secours pour passer l'étape suivante. En tout cas, merci oui. Sandrine de nous avoir appelé pour réagir au témoignage de Ludivine. Et puis, je souhaite que vous exposiez, hein. D'accord? Promis. Oui, je vais essayer. Puis, oui, Henri Beauchaud, merci. Ah, ça y est, Philippe est formidable, il me l'a trouvé. C'est Henri Beauchaud, l'auteur. Henri Beauchaud. Voilà, l'enfant bleu. L'enfant bleu Henri Beauchaud, voilà. J'ai noté ça. B-A-U-C-H-A-U. Voilà, à bientôt Sandrine, merci de votre appel. Au revoir, merci, au revoir. Sophie Peters, jusqu'à 1h sur Europe 1. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Bonsoir Nathalie. Nathalie, oui, vous êtes là? Allô. Oui, oui. Oui, bonsoir. Bah écoutez, je me sens un peu déstabilisée par rapport aux deux appels. Oh, non, 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 non. Non, non, ça, c'est pas autorisé dans cette émission. Vous savez, on est là à se comparer. Alors lui, il est plus malheureux ou moi, je suis moins malheureux. Non, non, non. Il n'y a aucun cas différent. Oui. Bon, je vous arrête déjà... tout de suite, Nathalie. Ok, d'accord, merci Sophie. On est égo, on est égo. Déjà, bon, bah déjà un petit merci à Quentin qui a été très charmant, il est très professionnel et ah, Quentin, il a une forme olympique ce soir, donc vous pouvez l'envoyer, il sourit. Très sympathique, très sympathique et très performant et très professionnel, donc je tenais à le dire. Il en rougit de bonheur derrière la vitre, bien que le studio soit bleu, mais je le vois rouge quand même. Non, parce que mon téléphone n'a fait que couper, il m'a rappelé, il était inquiet, que bon, donc il a fait tout comme il se doit, donc j'en remercie. Ouais, on est une fine équipe ici, voilà. Oui. Donc, moi, mon appel va être un petit peu positif pour changer. Et donc, du coup, enfin, positif sans l'être, en fait, juste un petit message quand même sur Ludivine que je me retrouve beaucoup en elle, cette petite là qui m'a beaucoup touchée. Et Madame Sandrine, Madame Chichon, on va dire, elle est très sympathique, mais bon, c'est un c'est pas des échappatoires que je conseillerais, mais je pense que Ludivine a besoin de suivre une psychothérapie comme moi j'ai suivi, qui m'a beaucoup aidée, parce que son problème à elle, enfin, je fais un petit témoin à elle, vite fait. C'est juste un manque de confiance en elle. Hein. Elle se renferme sur elle-même et elle a beaucoup de capacités. Et elle ne sait pas comment les exprimer, en fait. Et vous, c'est vous étiez un peu renfermée sur vous-même? Oui, exactement. Et ça m'a duré des années. Je me suis gâchée la vie avec ça. Oui. Gâchée la vie avec ça. Et toujours un sentiment de culpabilité, toujours pas à la hauteur, un manque de confiance en moi, comment vous dire, toujours besoin de reconnaissance. Et j'en faisais. Toujours besoin d'un merci, toujours besoin. J'étais tellement susceptible aux petites attentions des gens. Si on me disait pas merci, c'était fini ma journée. Hein. Et je me renfermais. Donc c'est un peu le cas de Ludivine. On n'a pas forcément besoin de ça. Et jusqu'au jour que moi, je me suis tellement enfermée. Moi, en fait, je vous appelle, c'est d'ordre affectif, mon problème. Hein. Oui. Et donc, je vois, on a eu tous des aléas dans notre vie. Moi, j'ai une vie assez chaotique, affective, assez perturbante. Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie en détail, mais très forte quand même. J'ai un très mauvais rapport avec les hommes parce que mon père ne m'aimait pas, ne désirait pas déjà. Je me suis réfugiée sur mon grand-père qui m'a violée. Donc déjà un mauvais parcours. Et après, c'est pour vous dire, mes traumatismes affectifs étaient très forts. Bon, ça démarrait mal, mais après, ça peut se réparer. Ça peut, on peut décider. Malheureusement, oui. Et j'ai suivi la marche de la femme soumise avec les hommes. Je me suis mariée, j'ai eu des enfants de pères différents. Je me suis toujours aplatie. Parce que je me sentais pas, comment vous dire... Valable. Aimable. Oui, valable. Voilà. J'étais une personne j'étais une exécutante. Et je pouvais pas m'affirmer. Avoir votre place. Voilà. Donc, je me suis oubliée en tant que femme. Je me suis occupée de mes enfants. Il faut dire que vous aviez été totalement niée et traumatisée dans votre enfance, tout à fait. Ah oui, l'homme pour moi c'était quelqu'un de négatif. Un ennemi. Un ennemi énorme. Et j'ai essayé de faire confiance. Je me suis dit, je donne la chance. Je me suis fait encore abuser financièrement jusqu'à hauteur de 80 000 euros de dettes que je me suis fait.
faire. Enfin bref, ça c'est des, enfin, des détails. Oui. Pour moi, l'argent n'a pas d'importance. Hein. C'est, oui. Et là, vous vouliez dire quoi? Vous dites aujourd'hui, ça y est, vous êtes sortie de oui. tout ça et du coup, bah, écoutez, je me pensais une superwoman. Et forte. J'ai un très fort caractère, mais bon, une femme a un être humain à ses limites. Oui, un être humain à ses limites. Et je me disais, non, je vais y arriver. Jusqu'au jour où j'ai pété un plomb, mais de chez plomb. Ouais. Et là. C'est-à-dire, quand vous dites péter un plomb, ça se traduit comment? C'était un repas de famille. Ouais. Et pour qui, pourquoi, quelque chose ne m'a pas plu. Ouais. Et ce jour-là, je ne l'ai pas supporté. Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Ouais. Pour des picadilles. Hein. Et j'ai tout cassé dans ma maison. Heureusement que c'était chez moi. J'ai tout cassé chez moi. Ouais. Je suis rentrée dans une colère, mais incontrôlable. Et là, et tout le monde est parti, personne n'a compris. Mes enfants, ils ont été effarés de moi, de me voir dans cet état-là. Mais jusqu'au lendemain matin, j'étais chez le médecin et tout, il m'a dit, bah, c'est un pétage de plomb, un surmenage, un ras-le-bol de tout, depuis des années. Mm-hmm. Et que personne ne vous reconnaisse, vous n'avez pas de reconnaissance, vous êtes exécutante, même avec vos enfants, ils prennent le même chemin que les autres parce que vous voulez bien le faire. Et donc, il me dit, moi, je vous conseille fortement les psychothérapies. D'accord. Voilà. Ouais. Et alors, le changement total, et c'est ce qui me fait peur. J'ai vu ma psy. Mais oui. Ouais. Parce que je vous dirai pourquoi je souris après. Ouais. Oui, c'est vrai que je parle beaucoup. Non, mais plus, ouais. Je souffre d'hyperactivité en plus. Hein. En plus. Mais bon, et c'est pour ça que je suis très speed et tout ça. Oui, ça s'entend. Oui, ça s'entend. Mais ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Ouais. Et donc, du coup, ça fait 4 mois que je suis ma psychothérapie. Elle m'a enlevé tout sentiment de culpabilité qui était un poids énorme dans ma vie. Vous savez que la culpabilité, Nathalie, mais j'en parlais, je ne sais plus, hier ou avant-hier, c'est souvent lié à la toute-puissance. Hein, c'est parce qu'on veut tout maîtriser. Donc, on se sent responsable de tout, donc forcément coupable de tout. Vous voyez, c'est une spirale. Je ne sais pas si vous me suivez. Voilà. Hein, donc, en fait, on se sent coupable de ne pas avoir fait ce qu'on imagine qu'on aurait dû faire et ainsi de suite, parce qu'on pense qu'on maîtrise tout et qu'on a la maîtrise des êtres et des choses. Hein, et qu'on aurait pu, alors en plus, sans doute que vous, la petite fille, a dû dire qu'elle aurait pu éviter tout ça. Enfin, on recrée l'histoire après, une fois qu'on est adulte de notre enfance. Voilà. Hein, voilà. Donc, en la réécrivant, on rentre dans de la toute-puissance. Enfin, voilà. Mais ceci dit, quand vous dites que je trouve intéressant, et je crois que c'est pour ça que vous nous appelez ce soir, c'est j'ai un peu peur parce que voilà, je vais presque trop bien, c'est trop génial, oui. Je me redécouvre. Bah, vous êtes dans l'euphorie de quelqu'un qui a soulevé le couvercle de la marmite, hein, qui est en train de regarder tout ça dedans, qui se dit, bah, ma foi, c'est pas mal. Mais là, vous me dites, ça fait 4 mois, c'est ça que vous avez commencé? Oui, je trouve que c'est hyper rapide. Oui, toujours au début. C'est-à-dire que. Mais non, vous savez, quand on démarre, je ne sais pas si ça vous a fait ça une fois dans la vie, quand on démarre une activité, un sport ou une découverte intellectuelle, en général, quand on part de zéro, les progrès sont très rapides. Donc, on est assez fier. On commence, voilà. Et puis après, on arrive. C'est des paliers en fait. Hein, on progresse toujours avec des paliers. Alors, le travail thérapeutique, il est plus complexe que ça. Il n'est pas comme des paliers dans le sport. Malheureusement, je peux faire le geste à l'antenne, mais vous me verrez pas. Mais il fonctionne en spirale qui repartent en arrière. Vous voyez, c'est-à-dire que vous faites un pas en avant. Et puis de nouveau, vous allez faire 2 pas en avant, 1 en arrière, 2 en avant, 1 en arrière, et ainsi de suite. Donc vous montez. Après, il y a un palier où tout d'un coup on se dit un peu, mais c'est affreux, je suis repartie à la case départ. En fait, non, mais simplement vous régressez normalement, parce qu'il va y avoir des phases de régression, puisque vous allez repasser par les moments émotionnels qui vous ont posé problème, voilà. Et ainsi de suite, vous progressez. Mais que vous ayez peur, vous n'allez pas changer dans le sens où vous serez toujours Nathalie. Nathalie sera toujours Nathalie. Simplement, la grosse différence, c'est que Nathalie va être plus confortable. Mais plus confortable dans le fait de dans le fait de naviguer dans la vie. C'est-à-dire que avant, vous preniez les tempêtes sans les voir venir.
les coups de Trafalgar. Alors j'aime bien la voile, souvent je prends des images de bateaux, mais voilà, vous prenez un coup de baume dans la tête, de vagues pas vues, etc. Voilà. Là vous allez prendre votre bateau en main, prendre mieux la vague, regarder la carte, pas vous prendre les récifs, voilà. Et oui, ça, oui, oui. Et ça, bah oui, c'est jouissif, hein. Ça rend heureux. Ah, hein. Moi, ça me fait un plaisir. Et ça change pas la. Bien dans ma peau. Voilà. Et la tempête, elle est toujours là. Hein. La tempête dehors, elle sera toujours la même pour tout le monde. Enfin, quand je dis pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on aura tous des tempêtes, c'est ça que je veux dire. On a tous des mais, hauts et des bas. Hein. Mais le travail sur soi, il aide à naviguer plus confortablement et à pas casser son bateau, ni à se blesser, hein, ni à se casser tout. Sinon, le risque, c'est de se blesser, quoi. Et ça, c'est très douloureux. Et puis donc ce pétage de plomb a eu des conséquences parce que les personnes qui étaient là, c'était un repas familial et tout ça, dont mon fils qui me fait un peu qui fait la tête, et je comprends, hein, j'essaie de revenir, mais donc ma psy m'a dit laissez-le du temps, il a été un peu choqué parce que vous étiez tellement passive avant, et puis là c'est une femme qui sort de ses gonds, une femme, c'est plus une maman, c'est une femme. Là, c'est pas mal pour votre fille. Il a quel âge votre fils? Mon fils a 34 ans, mais mes enfants, ils sont tellement la prunelle de mes yeux que. Et par contre, mes deux filles, parce que j'ai un garçon et deux filles, mes deux filles sont hyper contentes de me voir sortir de mes gonds. Elle me dit enfin, tu sors, t'es féminine, tu t'habilles, tu mets des talons, tu te maquilles. Mais tu t'étais oubliée, maman. Elles sont super bien. Ah oui, alors là, on est. Super contentes. Ouais. Et je me dis, et je me sens bien dans ma peau. Ça me fait peur parce que ma vie a toujours été un jeu de loi. Je monte jusqu'en haut et je redescends. Et j'ai peur de redescendre. Et ma psy m'a dit c'est à vous de faire votre chemin tranquillement. Oui, et redescendre, Nathalie, vous redescendrez toujours, mais pour mieux remonter ensuite. Donc oui. des phases. Voilà. Et il y a Eridan qui envoie un SMS vous concernant qui dit peut-être qu'en cassant tout chez vous, vous avez réparé quelque chose en vous. Je crois. Envie de vivre libre. L'envie de vivre libre, hein, c'est joli. Que ma psy m'a dit. Ouais. C'est important. C'est ce qu'on appelle en psy, vous savez, des passages à l'acte, hein, oui. Parce que c'est inconscient quand ça nous arrive. Et trop, c'est trop. J'ai hein. Mais quelquefois, il y a des passages à l'acte destructeurs, et puis il y a des passages à l'acte réparateurs. Ouais. Pour mon cas, ma psy m'a dit que c'était réparateur. Bien sûr. Elle me dit ça va prendre du temps. Il fallait que vous exorcisiez un petit peu toute votre culpabilité, tous vos méfaits d'enfance, avec le puis c'est avec montrer vos votre mauvais visage. C'est très important. Oui. C'est très important d'autoriser son mauvais visage. On a tous un mauvais visage et quelquefois il faut le montrer parce que c'est, comment dire, s'approprier sa singularité, son individualité. Oui, hein c'est vrai. Oser exprimer qu'on n'est pas toujours. Voilà, tout beau. Je vous interromps, excusez-moi. Quand j'ai montré mon mauvais. Parce que j'ai vu j'ai été mutée à Paris, en fait. Je suis aide-soignante en libéral. Et j'ai été mutée à Paris sur un poste qui était financièrement intéressant. Et c'est là que tout a basculé. En fait, parce que moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal. J'avais pas trop peur. À Paris, tout ça, j'étais un peu perdue. Et c'est là que j'ai compris que. Mes enfants étaient grands, je suis une femme, je dois faire ma vie, et j'étais complètement perdue. Je m'étais oubliée en tant que femme. J'étais une maman perdue dans la ville. Et ma psy m'a dit, vous êtes oubliée, vos enfants, ils sont grands, ils sont heureux, ils sont des études poussées. C'est vrai que j'ai tout fait pour mes enfants, ils ont une bonne situation, hein, pas de souci. Mais elle me dit, pensez à vous. Et maintenant, j'y arrive à penser à moi. Sans culpabilité. Voilà, alors il y a Jeanne qui envoie un message et qui est très amusante. Elle dit, alors tout est neuf, alors chez vous, les objets remplacés et l'âme et l'esprit, super. Alors elle dit, je plaisante, mais les pétages de plomb sont souvent source de remise en question et de mieux-être. Les colères sont salutaires. Continuez, vous allez de l'avant et vous vous renforcez. Et avec le recul, vous allez apprendre à être prudente et réfléchir avant d'agir. Voilà, alors Nathalie... Ça vous rassurez. Voilà. Merci de nous avoir appelé. Vous voyez, n'ayez plus peur, affrontez votre peur. Elle est bonne conseillère là. Hein on dit qu'elle est bonne conseillère. Je voulais juste être rassurée, puis ça me fait chaud au cœur. Tant mieux. Bonsoir Nathalie. Je suis sur la bonne route. Oui, vous êtes sur la bonne route, tout à fait.
Bah, écoutez, Sophie, je vous souhaite. Moi, je vous écoute tout le soir, Caroline, vous, enfin, depuis X temps. Et j'adore votre émission. Et bonne continuation et merci, merci de m'avoir écouté. Merci, Nathalie. Merci à vous. Et nous accueillons Amélie. Bonsoir, Amélie. Bonsoir. Bonsoir, Caroline. Je suis un petit peu émue de vous avoir. Alors, c'est pas Coraline ce soir, c'est Sophie. Mais c'est pareil. On va dire, c'est presque pareil. Ah non, c'est. Ah, c'est pas Sophie, par contre. Si, je suis Sophie. Non, parce que vous m'avez dit bonsoir Caroline. Alors je dis en riant, c'est pas Caroline, c'est Sophie. Mais. Ah, pardon. Mais c'est tout comme. Non, non. Je plaisantais. D'accord. Alors je vous téléphone pour vous raconter ma petite histoire, en fait. J'ai rencontré mon ami via un site de rencontre. Ça fait 4 mois que je suis avec cette personne. Et donc elle, on s'est parlé via ce site assez vite en fait. Cette personne m'a séduite en me disant que en voyant des photos de moi, etc., qu'il pensait que j'étais la femme de sa vie, qu'il allait se marier avec moi. Juste par des photos. Enfants. Oui, il est fort celui-là. Oui. Et du coup, ça laisse rêveuse, quoi. Si ce que la personne attend en retour, c'est un petit peu ça, c'est plaisant, on va dire. Et tout se passait très, très bien. J'ai des amis qui m'ont dit de me méfier quand même parce que c'était que ça allait assez vite. Et je suis quand même quelqu'un d'assez raisonné, donc j'ai écouté aussi les avis extérieurs. Enfin bref, la relation a suivi son cours. Et au bout d'un moment, donc c'est une personne qui a un enfant. Et au bout d'un moment, elle a la garde alternée. Et pendant les vacances, elle l'a eu un petit peu plus longtemps. Et par rapport à notre travail et lui par rapport à son enfant, il a dû, il était plus occupé et moi aussi. Et on s'est moins vus. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'il y avait un délaissement de son côté vis-à-vis de moi. Et du coup, je lui ai posé la question de savoir s'il y avait un problème ou pas. Et il me disait que oui, il se posait des questions, etc. Parce qu'en fait, il voyait une ex à lui avec qui il était sorti pendant un certain temps, dont il n'était pas tombé amoureux, mais qui continuait à voir pour faire un sport commun. Et il m'a toujours dit mais qu'il y avait rien avec cette fille, etc. Et moi, ça m'a rendue jalouse. Donc, j'ai commencé à vouloir savoir s'il y avait vraiment quelque chose ou pas. Donc, il me confirmait que non. Mais tout en continuant de la voir. Et moi, je lui ai bien expliqué que voilà, que je voulais... Enfin, que ça m'énervait, quoi. Mais attendez, juste parce que vous avez dit qu'il avait un enfant, il a été marié, il est divorcé ou... Non, il n'a pas été marié. Non. D'accord, mais il a un enfant d'une première liaison. D'accord. Il n'est plus avec la femme avec laquelle il a eu un enfant ? Non, plus du tout. D'accord. Non, plus d'accord. Du tout. Ils sont en bon terme pour l'enfant, mais c'est tout, il n'y a rien d'autre. Mais vous ne trouvez pas que ça va un peu vite quand même? Alors, d'abord sur Internet, alors vous dites c'est plaisant, mais enfin quand même, c'est un peu étonnant, quelqu'un qui vous dit déjà, voilà, t'es la femme de ma vie, je me marie avec toi, avoir des enfants, alors que vous n'êtes jamais rencontré. Et puis ensuite, ça fait seulement 4 mois que, alors quoi, vous voyez quoi, le week-end, régulièrement? Oui, on va dire ça. Le week-end, ou une fois dans la semaine. Bon, c'est très très jeune hein, comme relation. Tout à fait, oui. Ouais. Surtout que je suis restée 6 ans avec quelqu'un, j'ai jamais eu d'enfant, donc je vous dis, je suis quelqu'un d'assez réfléchi et c'est pas dans ma nature de me lancer comme ça
dans une relation. En même temps, la fonction. En même temps, on peut avoir un coup de cœur. Oui, oui. Et puis j'allais dire, la fonction de l'amour, c'est de venir nous bousculer. Hein. Ça, voilà, l'amour dans la vie, il vient nous chercher là où on veut pas aller. C'est tout. Oui, c'est tout l'enjeu et c'est bien ce qui est formidable. Donc, oui. L'idée. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Je suis tout à fait d'accord, Amélie. Par contre, ce qu'il faut, c'est pas se blesser ou être coincé. Ce qu'on va faire, Amélie, c'est que je vous retrouve, parce que là, on va arriver au journal de minuit. Hein. Il est à 23h59 et bientôt minuit. Donc, je vous reprends après le journal. D'accord, d'accord. On se retrouve tout à l'heure. Hein. À tout de suite, Amélie. À tout de suite. Sur Europe 1, c'est la libre antenne qui se poursuit. L'heure où on peut se laisser aller aux confidences, à la rêverie. C'est aussi l'heure où les angoisses se font plus vives au cœur de la nuit. Alors si vous ressentez le besoin de partager ce que vous vivez, ce que vous éprouvez, je vous invite à composer le 39-21 où vous serez accueillis ce soir par Assiba et Quentin. Vous pouvez aussi réagir à tout moment par internet sur le site d'Europe 1 à l'émission Libre Antenne ou par SMS au 739-21 en commençant par le mot nuit. Vous le savez, dans cette Libre Antenne, chacun peut appeler parce qu'il se trouve à un moment de sa vie où il se pose des questions et où il cherche des réponses. Je compte sur vous et sur vos appels 39-21. Et nous retrouvons Amélie qui était avec nous juste avant le journal de minuit. Oui. Oui, Amélie. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous nous parliez de votre relation avec votre nouvel ami avec lequel vous êtes depuis 4 mois, qui vous a séduite en vous faisant croire qu'il voulait s'engager, se marier, avoir des enfants. Et puis, vous avez découvert qu'il était toujours en phase de séduction ailleurs, on va dire. Voilà, c'est ça. Donc, on a eu des petits quiproquos. Est-ce que vous lui en avez parlé justement ouvertement ou comment ça s'est passé ? Pour le moment, non. Ah, voilà. Pour le moment, non. Le problème actuel, en fait, c'était son amie, une copine, on va l'appeler Natacha, oui. qui voyait pour faire un sport en commun et que je n'appréciais pas beaucoup, que je comprenais pas en fait pourquoi il allait la voir alors qu'il était avec moi. Et en même temps, on peut avoir des amis, mais c'est toujours ambigu. Il y a toujours l'un ou l'autre qui a quand même un attachement, je pense. Et à ce moment-là, je pensais que peut-être lui n'était plus amoureux, mais peut-être qu'elle avait encore des sentiments. Mmh. Et je pense que ça entretient quand même la chose. Et du coup, on s'est pris pas mal de fois la tête à cause de Natacha. Ouais. Et je lui ai bien fait comprendre que je ne l'interdisais, enfin, qu'il pouvait la voir, mais que je voulais, enfin, que ça me faisait mal, quoi, que ça me blessait. Donc une fois, il m'a envoyé une photo avec lui et sa fille, dans un endroit, et je lui ai dit qu'ils étaient beaux tous les deux, mais j'ai demandé qui c'est qui avait pris cette photo, et il m'a dit cette fameuse Natacha. Et je lui ai dit, mais je croyais que la dernière fois, je lui avais demandé de me la présenter carrément, que ce soit clair, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté ou quoi que ce soit. Et il m'avait dit oui, je vais te la présenter. Et après, c'était non, je n'irai plus la voir. Et donc la dernière fois, il l'a vue sans me le dire, en fait, 2 fois de suite. Et il me l'a dit quand même au final. Et du coup, j'ai commencé à me poser des questions, etc. Et j'ai réussi, chose qui n'est pas bien d'ailleurs, à pirater son compte d'un autre site. Oui. Bien connu, et j'ai découvert en fait qu'il avait des messages avec cette Natacha, mais qui était totalement soft, donc qu'il a dit la vérité, que c'était qu'une amie. Et j'ai découvert
qu'il parlait en même temps à une autre fille qu'il a dû rencontrer sur un site de rencontre, le même qu'on s'était rencontré, et qu'il l'avait séduite de la même façon que moi, c'est-à-dire en lui disant que c'était la fin de sa vie, etc. Mais le bon, jusqu'à là, ça peut être une démarche de drague un peu spéciale. Mais ce qui m'inquiète, moi, en fait, c'est que il continuait à lui marquer, à l'appeler par des mots, un peu tendre, alors qu'il était avec moi, et elle a su qu'il était en relation avec quelqu'un, lui a dit qu'elle était contente, etc. Et elle ne lui a pas envoyé de message depuis quelques temps, et lui a cherché à savoir pourquoi. Et du coup, elle lui a répondu qu'elle avait trouvé quelqu'un, mais qu'elle avait un peu peur, etc. Mais il y a toujours une espèce de lien avec cette fille, et donc Mais il y a des questions. Il y a deux choses. Je ne pense pas qu'il ait rencontré, je ne pense pas qu'il la connaît, qu'il ait déjà vu, en fait. Mais il y a deux choses distinctes, Amélie, dans ce que vous nous racontez. D'une part, il y a cette fameuse Natacha, appelons-la comme ça. C'est son jardin à lui. Vous voyez, l'amour, la relation d'amour avec quelqu'un, elle a besoin aussi de confiance. Et s'il vous dit pas, il a compris que vous étiez jalouse. Donc maintenant, lui se met à vous cacher des choses parce qu'il a toujours envie de la voir. Et vous avez eu la preuve que, cette relation n'était pas dangereuse pour vous. Mais il faut lui laisser son jardin. Vous n'avez pas demandé à la rencontrer. Ça vous regarde pas. Il a le droit d'avoir des amis, des connaissances qui vont en dehors de vous, il a sa vie, vous avez la vôtre, et vous partagez une vie intime et amoureuse ensemble, et qui est en plus naissante, qui n'a que 4 mois dans cette relation, mais vous n'avez rien à exiger, on n'exige pas dans une relation amoureuse. Et c'est ça le problème, c'est que, mon problème en fait, je pense que souvent dans mes relations, j'ai eu un échec par rapport à ça, parce que j'idéalise trop la personne avec qui je suis, et je m'oublie dans ma vie à moi personnelle, et je vois trop à travers l'autre au lieu de m'occuper aussi de moi et d'avoir ma vie à moi. C'est pas vous voyez trop très haut, vous êtes tellement en attente du merveilleux prince charmant parfait qui sera à vos pieds que vous le voulez comme ça, mais c'est il est différent, singulier, il a sa liberté d'être, il faut la lui laisser. En revanche, le deuxième aspect qui pose, je trouve, plus de problèmes, on va dire. C'est s'il continue, comme vous l'avez découvert, à séduire par Internet avec les mêmes termes ou la même démarche qu'il a eue avec vous. Là, c'est un petit peu plus préoccupant parce que ça veut dire qu'il est dans le jeu et que vous êtes déjà dans l'idée d'une relation un peu plus sérieuse. C'est-à-dire que vous avez mordu à l'hameçon et lui continue à pêcher. donc c'est pas très très bon ça pour vous comme type de relation, vous voyez, parce que lui c'est peut-être juste un pêcheur en série, on va dire, de poissons, et puis il sait que ça marche comme ça, et puis si vous là il faut peut-être que vous vous posiez la question de qu'est-ce que vous souhaitez maintenant, qu'est-ce que vous décidez, vous avez maintenant ces informations, quel type de relation vous avez envie d'avoir. Jusqu'où vous êtes prête à... Qu'est-ce que vous acceptez? Qu'est-ce que vous n'acceptez pas? C'est toutes ces questions-là que vous devez vous poser entre vous et vous. Oui. Parce que là, c'est plus... vous avez un peu cerné le personnage. Éventuellement, la question se pose de savoir comment et quand et bien lui en parler. Parce que maintenant que vous le savez, il semblerait qu'il soit temps de mettre les choses un peu plus au clair. Sans aspect de jalousie, savoir que si c'est lui, il est dans un jeu de séduction par le biais d'Internet, c'est OK qu'il fasse ça, mais vous n'avez peut-être pas envie de marcher dans ce jeu-là. Ouais. À moins que vous teniez déjà beaucoup à lui et que, ma foi, il n'y a pas de jugement de valeur, vous vous donnez la chance d'eux et vous dites ça finira par cesser, et moi je tente vraiment ma chance parce que cet homme-là me plaît vraiment et que lui peut s'attacher. Vous voyez, après, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez, quels moyens vous y mettez. Mais la décision vous appartient, là.
Et c'est pas évident parce que non. C'est vrai que ça m'a un petit peu déçue. Ça m'a déçue. Ça m'a ouvert les yeux sur certaines choses. Déjà, des fois, quand on s'est engueulé au téléphone, il m'a raccroché plusieurs fois au nez. La dernière fois, je lui ai dit « Tu fais plus jamais ça parce que je ne le tolère pas. C'est un acte violent. » Et il l'a refait il n'y a pas longtemps. Et je lui ai redit sans rigoler en disant que s'il le refaisait, que là, il n'aurait plus de mes nouvelles. Quoi. Alors je reçois un texto là, vous concernant, qui dit « Allez tout faire comme ça et rentrer dans ses affaires, vous allez finir par le perdre. » C'est tout à fait vrai, oui. Ouais, c'est sans doute peut-être... vrai. Mais là, vous lui mettez beaucoup la pression pour une relation qui n'a que 4 mois, Amélie. Exactement. Oui, ouais. Mais parce que lui a fait cette démarche-là dès le début. Mettre la pression et d'aller vite. Et je lui ai dit, méfie-toi, ça va retomber. Il y a un moment, quand on est dans une phase de séduction, en général, il faut mieux prendre le temps et apprendre à se connaître et être dans l'incertitude. Oui, mais c'est vous qui pouvez. Oui, mais vous pouvez mettre vous le tempo. Hein, c'est comment. Enfin, c'est comme en musique, c'est que si la musique va un peu trop vite pour vous, vous êtes deux dans la relation, vous pouvez aussi décider de ralentir. Et oui, mais le problème, c'est que vu que des fois je lui demande de m'appeler et des fois il ne rappelle pas ou autre, ça m'inquiète et donc je fais tout le contraire, j'appelle plus, je deviens chiante quoi. En fait. Il y a Riden qui dit apparemment il y a dans le présent de votre ami des recoins sombres. Si vous voulez être l'avenir de cet homme, éclairez-le, parlez avec lui. Là le souci c'est que c'est ce que je comprends. Mais ce qu'il y a c'est que j'ai l'impression qu'il une personne qui ne parle pas beaucoup, qui ne dit pas beaucoup ce qu'il ressent, qu'il faut vraiment... Oui, puis là, vous avez été jusqu'à présent assez intrusive, donc il a renforcé ses défenses. Et oui. Donc maintenant, il va falloir changer de stratégie. Et être un peu... Enfin, vous voyez, arriver toujours à... C'est du lèche. Oui, et puis être moins intrusive tout en étant très présente et à l'écoute, en étant plus douce peut-être, plus empathique. Mais en même temps, vous voyez, alors, Prune dit, cette histoire peut vous faire souffrir, prenez le vent du large. Bon, on n'a pas à juger. Encore une fois, c'est vous qui devez le sentir et que devez sentir qu'est-ce que vous êtes prête, voyez, à accepter. Parce que là, il vous oblige aussi à accepter des choses que vous n'avez pas visiblement envie d'accepter. Mmh. Alors, jusqu'où vous voulez bien aller? C'est ça la vraie question, là, pour vous. Après la dernière fois, j'ai vu... un ex à moi, en fait. Et je lui ai dit exprès, un petit peu aussi pour le rendre jaloux, et voir sa réaction. Et toute la journée, il l'a très très mal pris, quoi. Et il m'a fait plusieurs remarques. Quand j'étais avec cette personne, il m'a dit... il m'a demandé s'il nous dérangeait, etc. Enfin, voilà. Et donc, en même temps, j'ai vraiment l'impression quand même qu'il tient à moi et qu'il a vraiment des sentiments. Et en même temps, c'est vrai qu'en découvrant ces messages, je me pose pas mal de questions. Peut-être que vous pourriez mettre un peu de distance, là, pour le coup, et voir comment il réagit. Parce que là, vous dites que vous avez le sentiment qu'il tient à vous. Peut-être que vous le secouez un peu et que ça lui fait du bien. C'est possible, même s'il s'en défend. Maintenant, en prenant un peu de distance, vous allez pouvoir vérifier ou pas si c'est vrai. Parce que s'il revient... Il revient. Donc il y a quelque chose où il a compris que vous le dérangez, vous voyez, c'est bon d'être dérangé, comme lui vous dérange et c'est bon aussi, hein, c'est le principe de l'amour. Maintenant, on peut être dérangé, mais après il faut faire attention à pas être dans la blessure, vous voyez, parce qu'après on bascule dans le rapport de force, dans le pouvoir. Oui, c'est ça, et là ça gâche tout. C'est ça que je veux pas. Donc, c'est ce que dit Ava. Vous voyez, vous semblez entrer dans un jeu de rapport de force. C'est surtout ce qu'il faut éviter, tout en gardant la confrontation qui est saine. Hein, c'est un peu de la corde raide, ça, de la relation. Mais peut-être en changeant le mode de la façon de que vous allez vous exprimer avec lui, en laissant un peu plus de temps, en mettant un peu plus de douceur et de patience et moins d'exigence. C'est peut-être le niveau d'exigence qu'il faut travailler là. C'est vrai, oui, tout à fait. Hein? Oui, je suis très exigeante, oui, c'est vrai, je m'en rends compte.
c'est pas forcément bien. Je le suis vis-à-vis de moi déjà, donc c'est vrai que j'en demande beaucoup aux autres. Oui, là je reçois un texto. Ce témoignage me conforte dans une idée. L'amour, ce n'est pas mettre un oiseau en cage. L'amour, c'est faire venir l'oiseau sur soi. Ou dans son giron, parce que le texte n'est pas terminé. Mais voyez, c'est vrai que là, il faut que vous laissiez les choses advenir. Ouais. C'est important de laisser, dans le domaine des sentiments, il faut laisser advenir. Lâcher un peu, ce que vous disiez très bien. D'accord, Amélie ? Oui, d'accord. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Merci de nous avoir appelés. Bonsoir, Amélie. Bonsoir. Sophie Peters, jusqu'à 1h sur Europe 1. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Et nous accueillons Anne-Marie. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir Sophie. Alors, moi j'ai ma petite sœur qui est, enfin on suppose... qui est maniaco-dépressive ou on dit bipolaire. Oui. Mais elle a été diagnostiquée telle que par des psychiatres ou c'est dans la famille? Enfin, vous voyez, qu'est-ce que... Je ne sais pas trop, parce que... Je ne sais pas trop, mais bon... c'est très difficile... Ah, comment je vais dire ça? Oui, mais qui vous l'a dit? Enfin, c'est votre maman. Oui. Mais elle, encore une fois, elle a vu quelqu'un ou votre maman? Oui, elle a vu des psys, hein, ma sœur. Et elle a été plusieurs. Enfin, il y a eu des hospitalisations. Il y a eu des. Non. Elle a un traitement? Oui, elle a un traitement. Oui. D'accord. Donc, elle est suivie par un psychiatre pour un traitement qui a donc été diagnostiqué. Oui. D'accord. Et donc, quand je l'ai en ligne, ça va. Puis d'un seul coup, elle pète les plombs. Même sous traitement? Même sous traitement, oui. Même sous traitement. Parce qu'aujourd'hui, c'est une pathologie qui soigne bien, qui est bien connue aujourd'hui. Mais ça veut dire quoi, en fait? Alors, ça veut dire que la personne alterne entre des phases de grande... agitation, excitation, où tout va bien, l'est à fond, tout réussit, presque hyper actif, et puis des grandes phases d'abattement. Hein. On dit bipolaire parce que deux pôles. Hein. Donc voilà pourquoi ça s'appelle bipolaire. On dit maniaco-dépressif parce que il y a deux phases. Il y a ce qu'on appelle la phase maniaque. Et la phase dépressive. La phase maniaque, c'est la personne est à fond, elle va ressembler à quelqu'un de très hyperactif, voire déterminé, souriant, tout va bien, puis très, enfin, elle prend beaucoup de place, il y a une énergie très 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 forte. Et puis, donc ça, c'est la phase maniaque et la phase dépressive où elle part dans un abattement extrêmement profond. Mais comme c'est des phases très très extrêmes, on parle de bipolaire parce que bipolarité, vous voyez, il y a deux pôles. Ah oui, d'accord. D'accord. Et donc, et ça aussi, donne quelqu'un où, effectivement, qui souffle le chaud et le froid dans son comportement. Oui, moi aussi, je suis dépressive, mais bon, j'ai ce qu'il faut pour me soigner. Et votre question était de... Parce que, en fait, vous avez pas... Enfin, c'est pas du tout discuté, vous voyez, dans la famille. Votre maman vous a asséné ça comme ça et... Non, ça a dû... entre mes parents, mais mon frère, c'est quelqu'un qui est hors de tout ça. Mon frère, il évite. Évite ma sœur, oui. Et vous, comment ça se passe quand vous avez donc des contacts avec elle? Vous la voyez ou vous me disiez que vous l'aviez par téléphone? Ça fait très longtemps que je l'ai pas vue. Enfin, ça fait 6 mois à peu près. 6-7 mois, je ne l'ai pas vue. Mais quand elle appelle, elle va être bien. Puis d'un seul coup... Dans le même coup de fil? Dans le même coup de fil, oui. Parce que c'est ce que je vous disais, Anne-Marie. D'abord, aujourd'hui, les traitements sont très, très efficaces. Hein, et puis, il y a des gens qui ont des vies tout à fait sociales et correctes en étant bipolaires ou maniaco-dépressifs. Hein. Dès qu'ils sont bien traités. Alors peut-être qu'effectivement, le traitement n'est pas tout à fait adéquat.
Mais moi, je vous entends très abattue, Anne-Marie. Non, c'est parce que je suis restée longtemps. Et vous êtes fatiguée. Oui, mes médicaments commencent à faire effet. Ah, je comprends, Anne-Marie. Ouais. Je suis restée très longtemps. Oui, et on a eu beaucoup d'appels ce soir. Ouais. Oui, c'est pas grave. Bon, alors, je ne sais pas comment me comporter quand... Par rapport à elle, ne rien changer, Anne-Marie. Restez vous-même, parce que c'est elle qui est dans ses hauts et ses bas, et vous n'avez pas adapté votre comportement à elle. Ce qui peut lui faire le plus de bien, c'est que vous restiez bien vous-même et bien cohérente, vous voyez. Parce que sinon, ça veut dire que vous allez épouser ses phases. Si vous vous adaptez à chaque moment de ses comportements, vous lui renvoyez en miroir ses propres comportements à elle. Et ça, c'est pas aidant du tout. Ce qui va l'aider, c'est d'avoir en face d'elle quelqu'un qui est cohérent et toujours sur la même ligne. Sinon, vous montez, vous descendez avec elle, finalement, vous voyez. Oui. Et ça, c'est pas aidant. Ouais. Il faut pour la stabiliser que vous restiez bien dans qui vous êtes et qui vous avez envie d'être avec elle aussi. Soyez la sœur que vous avez envie d'être. De toute façon, moi, je préfère l'éviter parce que je supporte. Vous voyez, elle a appelé lundi soir, j'étais avec mon ami à la maison, parce que j'ai un ami. Et ben, c'était vraiment... Puis elle est très égoïste, elle pense qu'à elle. Il n'y a qu'elle. Elle se sent persécutée tout le temps. Ouais. Alors, Restez, ne la confortez pas dans son système, surtout si elle se sent un peu persécutée. Essayez pas de la détromper, mais montrez-lui que vous restez tel qu'en vous-même. Ouais. Hein? Pas me fâcher. Non, ça sert à rien là. Non, au contraire même. Non, parce que d'abord, vous n'êtes pas sa maman, vous êtes sa sœur, et puis même sa maman, mais vous n'avez pas à l'éduquer, vous avez à être à ses côtés. Ah oui. Vous voyez, vous n'avez pas un rôle d'éducation envers elle, même si donc c'est votre petite sœur. Hein, Oui, donc je comprends que vous ayez la tentation de résoudre son problème, mais vous ne pouvez pas lui résoudre, justement. Vous pouvez juste être là, et être là, c'est déjà beaucoup, beaucoup. C'est déjà formidable. Oui. En sachant vous protéger aussi, parce que quand vous n'arrivez plus à être là parce que c'est trop douloureux pour vous, acceptez de ne plus pouvoir être là aussi. Oui, et puis moi j'ai un problème, c'est que je ne me défends pas assez. Je fais une psychothérapie. Oui. D'ailleurs, pour essayer de... Je laisse trop... Les gens rentrer chez vous sans être invités. Oui. Oui. Et ça s'apprend à renforcer ses défenses. En psychothérapie, ça. Oui, vous savez, c'est un peu comme si à l'intérieur de nous-mêmes, on était une maison avec un jardin, mais il n'y a pas écrit pelouse interdite, il n'y a pas de petite barrière ou de petite clôture. Puis alors, les gens arrivent chez vous, s'installent, pique-niquent, se baladent dans le jardin, c'est cool, voilà. Sauf que les gens, il faut leur dire... Non, vous n'avez pas vu, il y a un petit portillon, il faut sonner avant, il y a un petit mode d'emploi, c'est habité, je suis là, il y a quelqu'un, je vous invite si vous voulez, vous m'avez l'air sympathique, mais on ne rentre pas comme ça chez moi. Ah ouais. Ben oui. Ah, sinon, d'accord. Alors on va abîmer toutes vos petites fleurs là, que vous avez fait pousser patiemment. Ah oui. Ben oui, donc on n'est pas des espèces de jardins en plein air où chacun pourrait s'installer avec sa petite voiture, son petit pique-nique. Non. Ah, d'accord. Mais ça, vous allez l'apprendre. Ça s'apprend, Anne-Marie, ça se réapprend. Ça veut dire que dans l'enfance, on vous a peut-être pas très très bien respecté. Hein. C'est souvent des enfants pas respectés qui, une fois adultes, se laissent facilement envahir. Mais ça s'apprend. Beaucoup de choses s'apprennent. C'est ça qu'on oublie. C'est que, bien sûr qu'on est marqué par notre enfance et par nos traumatismes. Mais Dieu merci, on peut les résoudre. On a cette chance-là, cette responsabilité presque, j'oserais dire. Hein. Qui est la responsabilité à être, à devenir quelqu'un, à se reformer sans cesse. Ah oui, ah oui. C'est ce qui fait la beauté de la vie. Ah oui.
Anne-Marie, bon. Je vais vous laisser vous reposer, mais je vous remercie d'avoir attendu si gentiment et si patiemment l'antenne. N'hésitez pas à nous rappeler au besoin et puis allez vite vous coucher et prenez un bon repos. Merci Sophie. Merci Anne-Marie, merci. Bonsoir. Au revoir. Europe 1, Sophie Peters. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Oui, bonsoir Marie. Marie, vous êtes là ? Oui, oui. Oui, bonsoir Marie. Oui, oui, je vous entends très bien. Oui, bonsoir, merci de me prendre à l'antenne. Je vous appelle après une multi-hésitation. Voilà la raison pour laquelle je vous appelle aujourd'hui. Je me retrouve dans une situation assez délicate et je n'arrive pas à mettre de mots dans mon malaise. Voilà, j'ai rencontré le père de mon fils il y a plus de 3 ans sur un site internet. On a une relation très courte, environ 4 mois, mais très intense, pendant laquelle je suis tombée enceinte. C'est un véritable coup de foudre. Il était prévu que j'aille m'installer chez lui, il habite en province. Que je prenne partie de l'entreprise qui gère, hein, c'est une entreprise familiale. Donc, dès l'annonce de ma grossesse, c'était l'euphorie, très content. Ses parents n'étaient pas au courant de cette grossesse, on voulait attendre un petit peu. Et à peu près à 5 semaines de grossesse, changement d'attitude radical, jusqu'au point où il m'a enfermée. Vous avez enfermée, c'est-à-dire ? Il m'a enfermée chez lui. Il est parti. Ouais. Il est parti un dimanche matin. Moi, je devais reprendre le train pour venir sur Paris, puisque moi, je suis sur Paris, ouais. Pour reprendre mon travail normalement, en attendant que tout s'installe pour nous. Et il m'a enfermé. Il m'a enfermé chez lui, impossible de le joindre. J'ai joint ses parents en demandant où il était. Je ne savais pas. Donc j'ai réussi à m'échapper grâce à l'aide de quelqu'un d'extérieur. Oh là là, ouais. Donc arrivé à la gare, j'ai appelé les parents en disant que cette histoire était terminée parce que je ne pouvais pas vivre avec quelqu'un qui se permettait de faire ça. Bah oui, vous avez dû avoir très peur, bah oui. Donc je suis revenue, donc j'ai passé ma grossesse toute seule. Donc j'ai eu plus aucun contact de sa part. Moi, je n'ai pas essayé de le contacter. C'était quelque part un peu traumatisé, voire beaucoup. Bah oui. Oui, surtout que lui n'a pas cherché à entrer en contact avec vous après, pour non, essayer de s'expliquer ou... Pas du tout. Ouais. Pas du tout, au contraire. J'ai appris par une amie qui était sur le même site internet, qui s'est, le jour même où cet événement a eu lieu, il était sur internet. Il s'est réinscrit. Il ne s'est jamais désinscrit, en fait. D'accord. Donc, deuxième choc, j'ai eu une grossesse pathologique, au point où mon enfant est né prématurément. J'ai eu une grossesse toute seule. J'ai eu aucune visite. J'ai fait plusieurs séjours à l'hôpital. J'ai eu aucune visite, donc c'est assez difficile. Oui, bah oui. Heureusement que le personnel médical était extraordinaire. Parce qu'en fait, c'est qui me portait à bout de bras. Et juste, Marie, vous avez vos parents, une famille auprès de vous, ou vous étiez soutenue? Non. Ah. Justement, j'ai mon père, ça fait plus de 20 ans que je n'ai plus de nouvelles de sa part, et ma mère, à peu près 5 ans. Bon. Donc, et j'ai la plupart de ma famille se trouve à l'étranger, et pour lesquelles j'ai pas de contact depuis X années. On n'est pas vraiment ce qu'on appelle une famille unie. Oui. Donc, grossesse assez difficile, donc mon enfant, bon, Dieu merci, aujourd'hui se porte très bien. Il a quel âge, Marie ? Il va bientôt avoir 3 ans. Oui. Donc, je reviens de congé maternité. Et là, je subis du harcèlement moral de la part de mon employeur. Ouh. Et n'ayant pas réussi à obtenir ma démission, me licencie pour absence liée à ma grossesse. Il n'a pas le droit ? Mais il l'a quand même fait. Mais vous avez des droits, vous pouvez vous défendre.
J'ai saisi les prud'hommes. Essayez, c'est-à-dire J'ai saisi les prud'hommes. On a eu le tribunal, enfin le procès, il n'y a pas si longtemps que ça, et on attend la décision des prud'hommes. D'accord. Le souci, c'est que j'ai l'impression de cumuler des tas d'événements. Alors, tout ceci également sans l'aide de personne. Je suis 24 heures sur 24 à disposition, si on peut appeler ça, à disposition de mon fils. Je n'ai aucune aide de qui que ce soit. Les amis que j'avais, même des amis d'enfance, m'ont tourné le dos. Pour quelle raison, Marie, vous savez? Je n'ai jamais eu de raison. J'ai eu beau appeler. Soit je suis tombée sur le répondeur, soit je n'ai jamais eu de... Et Marie, vous avez pensé à vous faire aider, accompagner par un thérapeute, enfin, au moment où vous traversiez tout ça? Alors, j'ai consulté un psychologue, mais j'avais plutôt l'impression de le déranger qu'autre chose. Parce que vous voyez, il y a quelque chose là, c'est pour ça que je me permets de vous poser cette question-là, parce que ce que j'entends, puis alors là, votre dernière réponse le confirme tout à fait, c'est que vous êtes dans une spirale de victimisation. Alors, c'est vrai que la vie, des événements de la vie... A raison, hein. Donc au départ il y a un sentiment légitime, hein, qui est ce que vous avez vécu en 2008 et qui est terrible, et puis après vous partez dans une spirale où tout concourt au même résultat, l'employeur puis maintenant le psy que vous ennuyez, qui vous écoute pas, c'est-à-dire que vous avez les événements de vos amis qui ne vous rappellent pas, c'est-à-dire que vous avez été mal aimé sans doute aussi dans votre enfance, mal aimé par cet homme. Et après, c'est toute la vie que vous regardez de cette façon-là, qui ne vous aime plus, on va dire, la vie ne vous aime plus. Enfin, en tout cas, c'est la façon dont vous la vivez. Ben, en fait, je me pose la question, c'est ouais. la raison. Ouais. Quel intérêt j'ai que l'on réussit à me. Comment dirais-je ? Oui, oui, allez-y. À sauver ma vie au moment de l'accouchement. Quel intérêt pour vivre tout ce que je suis en train de vivre ? Parce que j'ai perdu goût à la vie. Oui, ouais, j'entends, Marie, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas rester toute seule là, parce que. Et le problème, c'est que quand je me dirige vers quelqu'un, je vais à tâtonnement, parce que j'ai tellement été. Mais oui, trahie, vous avez peur, mais oui. Mais oui. Oui. J'ai l'impression que d'avoir la lèpre. Non, Marie, d'avoir mais. D'avoir une maladie honteuse, et tout me tombe dessus, je ne sais pas comment. J'ai l'impression, en fait, d'être encerclée par des anneaux, et plus je me débats, plus il se serre. Oui, oui. Mais parce que vous êtes, ce que je vous explique à l'instant, rentré dans cette spirale, encore une fois, malgré vous, hein, de mal-amour, qui maintenant, vous l'entretenez sans vous en rendre compte inconsciemment. C'est pour ça que, bien sûr que si, que c'est important que vous soyez en vie, je rebondis sur vos terribles propos, parce que c'est d'autant plus important que vous avez à vivre ça. C'est pas comme ça un hasard, c'est que là vous avez quelque chose à traverser d'important pour vous qui va vous permettre d'en sortir. Donc vous êtes complètement au creux de l'orage là, du tremblement de terre, et vous êtes dans l'épicentre, et il faut vous en sauver, mais vous-même, et vous le pouvez, on le peut tous. On le peut tous. Alors, il y a d'une part le vouloir, qui est déjà un élément, et puis le pouvoir. Quelquefois, on veut, puis on n'y arrive pas, hein, parce qu'on n'est pas des êtres tout-puissants. Mais c'est là où je dis, il faut vous faire aider. Et quand vous me dites, le psy, ce que je racontais, l'intéressait pas, c'est vous qui décidez de voir le psy comme ça. Mais vous ne savez pas, et ça m'étonnerait comme si vous ne l'intéressiez pas, vous voyez. Moi, vous m'intéressez en tout cas. Et je ne serai sûrement pas la seule. Donc, Marie, il faut vous faire aider. Je ne le dis pas toujours, ça. Mais là, comme je vous entends, d'abord, vous avez un petit garçon de 3 ans, ne serait-ce que pour lui, pour la maman. Et puis, si vous êtes là aussi aujourd'hui, c'est bien pour être la maman de ce petit garçon-là. Hein, parce que si vous y étiez resté, comme vous dites, ce petit garçon, il n'aurait pas de maman.
et il serait bien, bien malheureux dans la vie. Donc il faut que vous appreniez à vous réaimer, que la vie vous re-aime, et puis par votre petit garçon aussi qui va beaucoup, beaucoup vous apprendre et vous aider. Mais ne restez pas ainsi. J'ai l'impression que je fais pas correctement mon rôle de mère. Parce que vous avez perdu, vous le dites très bien, parce que vous avez perdu vos repères, c'est normal. Parce que là, vous êtes dans une immense fragilité, une immense secousse. Et c'est ok de vivre ça. On a tous des moments terribles où on vit des souffrances extrêmes et on se sent nul dans tous les domaines, y compris dans celui d'être une maman. Mais votre petit garçon, il vous aime, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez. C'est unique. Je sais qu'il m'aime, mais j'ai l'impression de ne pas le rendre heureux. Mais parce que vous n'êtes pas heureuse vous-même. Parce que vous n'êtes pas heureuse, Marie. C'est pour ça que vous avez ce sentiment. Mais vous pouvez tout à fait le rendre heureux. Et lui, c'est même le rendre heureux, c'est vous rendre heureuse. Vous savez, un enfant, il est heureux quand son parent va bien. Un enfant qui voit son parent aller mal, il souffre avec. Et encore plus intensément. C'est une éponge, un enfant. Un enfant, il prend toute votre souffrance et il se dit même « Et si j'en étais responsable ?» Donc déchargez-le. J'évite qu'il soit dans le milieu. Vous y pouvez rien. Tout ça, quoi. Oui. J'essaie de préserver au maximum. Oui, mais vous y pouvez rien parce qu'il sent. Non, c'est pas qu'il se rend compte, parce qu'il ne raisonne pas, il ressent. Un enfant, ça ressent. Ça ressent des choses que même parfois vous-même vous ne ressentez pas. C'est ça qui est complètement extraordinaire chez les enfants et qui donne ils ont une perméabilité, si vous voulez, une plasticité à nos émotions, à nos ressentis. Et c'est ce qui fait le lien si fort et si envahissant pour eux et aussi pour le parent. Mais là, il faut vous occuper de vous, Marie. Vous voyez, il y a Prune qui dit, si vous allez parler de votre souffrance à un psy, vous irez mieux. Que vous souffriez de tout ce que vous avez vécu, c'est complètement normal. Mais maintenant, il faut prendre le temps de vous réparer. Et vous allez voir que la vie va vous sourire de nouveau. La vie nous sourit quand on lui sourit. Ça paraît tout simple, c'est bien difficile quelquefois. Oui, surtout quand vous avez perdu l'envie. Le goût de la vie, en fait. Oui, le goût de la vie. Et on peut le perdre. Et oui, on peut le perdre, le goût de la vie. Parce que là, j'ai l'impression, quand j'ai accouché, mon fils a été en néonate pendant un mois. Ouais. Moi, j'ai pas vu pendant 2 jours mon fils, parce que j'étais très mal aussi, au service de réanimation. J'ai l'impression que ça a ouvert la boîte de Pandore, ah oui. Que tous les souvenirs de mon enfance sont revenus, toutes les maltraitances que oui. J'ai pu subir oui. De mon père, que j'ai souvenir de l'âge de 7 ans à mon beau-père, avec une mère peu aimante, et tout ça, ça a oui. C'était des tas d'émotions qui oui. s'entrechoquaient entre oui. la colère, la peur, la... Oui. De ne pas savoir, quoi. Ben simplement. Oui, parce que, Marie, quand on met au monde un enfant, on repasse par tous ces stades émotionnels. C'est très éprouvant, en fait, ce qu'on vit. Et d'autant plus, vous voyez, avec tout ce passé, et vous le décrivez très bien. Et vous voyez, ce qui est très encourageant, là, ce soir, c'est que vous le mettez bien en mots. Vous avez une conscience de ce que vous êtes en train de vivre. C'est énorme, ça, Marie. Ça, vous tenez la clé de votre liberté, de votre renaissance, de votre goût de la vie qui va revenir. Il est encore là parce que vous êtes capable d'en parler, aussi bien que vous en parlez ce soir à l'antenne d'Europe 1, et que vous êtes en pleine conscience de ce que vous éprouvez dans votre chair, de ce que vous ressentez. Et ça, c'est quelque chose qui va vous aider. C'est la première petite lumière du chemin. Elle est déjà allumée, celle-là. Maintenant, il faut continuer. Il y a Ridan qui vous dit « L'armée des ombres ne marche pas sur vos pas. Par contre, cette petite lumière de 3 ans ne peut qu'éclairer votre chemin. » Et puis Coco qui dit « Ne privez pas votre petit garçon de votre amour. Vous irez mieux si vous allez chez un thérapeute. Bon courage. » Mais vous êtes prête, là, Marie. Vous êtes prête à avancer. Votre appel de ce soir, prenez-le comme un signal de départ, là. C'est le top départ, vous voyez ? Là, avec moi, ce soir, là, et avec les auditeurs, vous êtes dans le top départ. Vous êtes dans les starting blocks. Allez-y. Allez-y parce que, voyez-vous, vous savez en parler, là, de votre vie et votre
votre goût de non-vie. C'est surtout, j'ai l'impression que ma vie n'a aucune importance. C'est-à-dire que qui suis-je moi pour aller me plaindre alors qu'il y a des gens plus malheureux ? Non. Ma vie n'intéresse personne. Si, donc, Marie, qui vous êtes-vous ? Vous êtes un être humain et tous les êtres humains. Il n'y a pas une échelle dans la souffrance et les maux de ce monde. Quelqu'un qui souffre de quelque chose, ça peut le porter jusqu'à la mort et ça peut... Il n'y a rien qui doit être jugé dans ce domaine. Il n'y a pas quelqu'un qui souffre plus ou moins. Il y a ce qu'on souffre, point. Et ce qu'on souffre, c'est déjà juste énorme à porter pour soi. Et déjà, vous en portez beaucoup. Alors, et en plus, vous voyez, il y a aussi un SMS qui arrive pour vous qui dit « Marie a connu la série de graves accidents de vie. Qu'elle cherche ce soir une aide prouve qu'elle veut se réouvrir au bonheur. » Mais surtout, Marie, donnez-vous le droit. Parce que là, ce qui manque dans ce que vous êtes en train de me dire, c'est... Oui, vous valez le coup, ne serait-ce que pour ce petit garçon de 3 ans. Vous vous rendez compte, vous n'allez pas, d'une part, le priver de sa maman, mais le priver d'une maman qui a eu bien aussi. Ben, je me demande des fois s'il ne serait pas né avec une maman qui n'est pas née avec moi. Mais non, Marie. Vous savez, la solitude de n'avoir aucun membre de la famille, de sa propre famille. Oui. Oui. Sur qui on peut se reposer, ne serait-ce que pour dormir, pour se penser, ne serait-ce que 5 minutes pour soi, pour se ressourcer. C'est un luxe que je ne me suis pas permis depuis plus de 3 ans. Oui. Je suis dans un état d'épuisement total. C'est pour ça que quand je dis, j'ai perdu goût de la vie, goût de tout, même manger, quand je mange quelque chose, je n'éprouve aucun plaisir. Oui. Rien, je suis toujours sur la tête dans le guidon parce que je gère vraiment tout, absolument tout. Oui. Tout de A à Z. C'est pour ça que je me pose la question, pourquoi on m'a laissé en vie, pourquoi on a réussi à me sauver au moment où j'ai moi-même donné la vie pour vivre le calvaire, parce que c'est un calvaire. Parce que vous avez une place, Marie, vous avez une place. On a tous une place. Le pourquoi, c'est le mystère. C'est ça la vie. On est et on a une place à occuper avec quelquefois un fardeau trop lourd pour nos épaules. Et aujourd'hui, votre fardeau est trop lourd. Et donc, vous avez la charge d'aller vous faire aider pour le porter. Et qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est vous faire aider à porter ce fardeau. Faites ce premier pas-là, s'il vous plaît, Marie. Pour vous et pour votre enfant. On m'a tellement habituée à me débrouiller toute seule. Même mais quand non. Mais oui, mais vous voyez, c'est un apprentissage dans la vie d'apprendre à se faire aider. Quelquefois, il faut poser les bagages et dire j'y arrive plus. Aidez-moi à les porter, mes valises, elles sont trop lourdes. Et ça, ce sera un premier pas de bon pour vous. De bienfait, c'est un bienfait. C'est pas comme vous me disiez là à l'instant, mais j'ai pas de temps pour moi, je peux pas m'occuper de moi. Ben, le premier temps que vous allez vous accorder, c'est 1 heure de séance chez un psy toutes les semaines où vous irez poser vos valises. Et ça va vous faire du bien. Et ne vous mettez pas dans la tête que je l'ennuie avec mes histoires, je vaux rien. C'est son métier, il l'a choisi pour, il ou elle, enfin, a choisi pour aider les autres, pour aider justement à défaire les valises, à les trier, à les remettre en ordre et à ce que la personne reparte et qu'elle soit un peu moins lourde. Donc allez-y, Marie. Mais vous savez que j'ai l'impression d'avoir... Enfin, c'est pas une impression, j'ai été trahie depuis mon enfance. J'ai du mal même à m'exprimer. Vous exprimez très bien, Marie, ce soir. De ces professionnels, quoi. J'ai vraiment beaucoup de mal. Oui, mais là, regardez, vous vous rendez compte que vous êtes à la radio, hein, la plus grande radio nationale. Il est donc 1h05 et que vous nous racontez votre histoire depuis plusieurs minutes de façon extrêmement limpide, claire et avec beaucoup d'empathie et de sensibilité. Donc, vous êtes tout à fait capable, Marie, de donner la... Je ne vous vois pas. Mais peu importe, je serai devant vous, vous ne me verriez plus. Vous voyez ?
Et si c'est de voir les gens, là, vous voyez, je reçois un SMS qui vous dit, il y a aussi des livres, hein. Il y a plein de livres sur le développement personnel qui aident à faire grandir la flamme qu'on a au fond du cœur. Vous pouvez aussi, vous allez à la FNAC ou dans une librairie, commencez déjà par lire, peut-être, un livre qui vous parle de vous, de la souffrance de l'homme. Vous verrez que c'est une grande chaîne, la souffrance humaine. Et c'est par nos fragilités, nos douleurs qu'on communique, hein. C'était ce que nous disait Kant au début de cette émission. Et c'est important. Et vous allez voir comme vous allez être un cadeau pour votre petit garçon, de cette maman qui aura traversé tous ces orages et puis qui vaillamment, hein, aura continué, se sera battue. Je vous dis au revoir, Marie, et je vous souhaite Merci. Bon courage et prenez soin de vous. Merci. Prenez Merci. Soin de vous. Je vous embrasse. Au revoir, Marie. Au revoir. Europe 1, Sophie Peters.